Calédonie Ensemble a donc maintenant la tête de l'exécutif. Fin juin, le Congrès va devoir réélire, comme chaque année, son président. Actuellement, grâce au défunt contrat de gouvernance solidaire, Feu contrat de gouvernance voilà, solidaire. Hein. l'UCF le préside en la personne de Gaël Yano. Est-ce que Calédonie Ensemble va à nouveau le soutenir? C'est une très bonne question. Et je crois qu'il faut poser à Gaël Yano la question sur ce qu'il pense de Calédonie Ensemble. Je m'explique. J'ai été traité à plusieurs reprises, pas par lui spécifiquement, mais par quelques membres éminents de son parti, de socialiste et d'indépendantiste. Je ne suis ni socialiste ni indépendantiste. Donc je risque pas de le compromettre avec mes voix. Donc il faut être clair. Calédonie Ensemble est un parti qui est de sensibilité non indépendantiste, qui est favorable à une plus grande cohésion sociale dans le pays, à plus de justice sociale dans le pays. Et pour autant, ça ne fait pas de nous ni des socialistes ni des indépendantistes. Donc il faut être clair, on ne peut pas d'une part nous insulter, Madame Riche, Oui, comme ça mais... a été le cas, et ensuite nous demander notre voix. Donc il faudra là-dessus que les choses soient clarifiées par l'UCF. Si elles le sont, à partir de ce moment-là, nous en délibérons dans le cadre d'une direction collégiale du mouvement.